Salam alaikum, bonjour tout le monde. Petite vidéo rapide pour réagir le Bareh. C'est une story avec. En fait, j'ai repartagé la story de mon ami journaliste, c'est Reda Ben Nice, qui revient le judo après, je pense, une dizaine d'années d'absence. Et on parlait des blocages mentaux. Des blocages psychologiques dont on est victime très souvent, ou les macanards. Et je voulais juste vous donner quelques éléments de partage, tels que Anna, elles sont dans ma tête, parce que ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Le cas n'est pas un cas isolé. On a tous des blocages mentaux, ou là, ce qu'on appelle les fameux facteurs limitants. Et en réalité, non. Une blessure. Il y a des choses sur lesquelles on va se concentrer. Les humains, elles sont plus de l'ordre du négatif que du positif. Et très souvent, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, qui highlight, ils zooment sur le négatif beaucoup plus qu'ils ne zooment sur le positif. Et donc, ça constitue les blocages qui ne nous aident pas à évoluer et aller dans le bon sens. Donc, et c'est de prendre les choses, step by step, étape par étape, de cas de cas. D'accord? Parce que, ce qu'on veut, l'ambition li عندنا, يعني شنو هو الطموح ديالنا, كيبان هذاك الشيء كبير وكنكبروه بزاف وكنشوف الحقيقة وكنشوف لا رياليتي وكيبان لي بان باقي بعيد وباقي داك الشيء ماشي ما راضيش كومبليتمون على سكو جو سوي ان تران دو فير, مي جوبلي بانني غراس ا دو تو بوتيز افور جي في دو شومان, اي سا سي لو بلوز امبورطون. من بعد les gens مثلا qui font des sports d'endurance بحال دابا كيدير الماراثون ولا du Ironman ولا de l'ultra marathon etc, ce sont des gens qui savent هاد القضيه, ولا même les gens qui font du trekking مثلا في الجبال etc, mais dans le sport en général خاصك تكون عندك la capacité باش te concentrer là دائما على la prochaine action. D'ailleurs, pas que dans le sport, dans la vie en général ou dans le business aussi. Je parle aussi des gens, des managers ou là, des entrepreneurs, les gens qui gèrent des business aussi. Parce que tu te concentres là, la prochaine étape, la prochaine action uniquement. Une longue distance, quand tu te concentres là, pas après pas qu'elle a un pas mais ben l'autre pas mais quand je chauffe mais quand j'ai un marathon mais quand je cherche les 42 km quand je cherche les pas d'ioli, d'accord. Même chose pour les gens qui font maintenant de la musculation, là c'est une répétition par répétition, quand je cherche l'ensemble de la séance, quand je fais l'exercice avec le groupe musculaire que je fais avec l'exercice avec la série avec la répétition. Et c'est répétition par répétition. Et donc, même chose dans la vie, dans le business. Imaginez la prochaine action à mettre en place. Et voilà. Donc, maintenant, chez les coms, donc l'île Hadith Yabakia, comme on dit. Très bon courage à tous. Et à très très bientôt. Inch'Allah.